Les médias ont un rôle primordial dans le processus de réconciliation en cours et dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est en vue de les aider à réussir ce pari que l'ONG Transparence et Justice, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et la fondation Friedrich Ebert initient ce projet de formation des journalistes aux notions de droit et de justice. Pour mieux jouer leur rôle des mécanismes de surveillance et de la conduite des uns et des autres en matière de gouvernance et de corruption, il est important que les journalistes soient outillés. Et le premier de ces outils est la formation. Aujourd'hui, nous reprenons un chemin de croissance économique, nous reprenons aussi un chemin de meilleure cohésion sociale. Et il faut se tourner vers un processus où la presse, dans un sens plus large, les médias, doivent être capables d'accompagner cette reconstruction démocratique. 350 journalistes de la presse écrite, audiovisuelle et en ligne et les animateurs de radio de proximité sont concernés par ce projet qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire durant une année. C'est une très bonne nouvelle. Le renforcement des capacités va contribuer à l'amélioration de nos écrits, de nos reportages. C'est une opportunité que nous devions saisir, nous les hommes de médias, pour que nous puissions réellement servir la Côte d'Ivoire qui tend vers la réconciliation. L'ambassade de France en Côte d'Ivoire contribue à hauteur de 25 millions de francs CFA à ce projet et la fondation Friedrich Ebert à hauteur de 10 millions de francs CFA.